Eh bien, salut tout le monde, c'est Médecin Notre Enfant aujourd'hui pour la présentation de la mise à jour du 15 juin 2022. Et dans la mise à jour d'aujourd'hui, on a la suite de la quête qu'on avait eue au Royaume des Nuages. On a aussi Mika qui aurait perdu encore plus de trucs. Et bien sûr, un nouvel équipement. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris le Halflinger, parce que je voulais être sûre que l'équipement, qu'on puisse le voir, hein, puisque je vous rappelle que ils ont la bonne idée de sortir des tenues complètes avec des équipements qu'on peut pas mettre sur tous les chevaux, genre qu'on peut mettre que sur deux ou trois, enfin c'est complètement con. Mais ça, c'est une autre histoire. Du coup, je sais pas s'il faut juste tout relire ou pas, parce que ça, on l'avait déjà lu et tout. Mais en tout cas, ouais, Mika, elle a encore perdu des trucs. Alors, à skip que. Alors pourquoi il y a plein de gens alors qu'il n'y avait personne il y a 2 secondes? Quelle misère. Alors à Skip, le royaume des nuages devait avoir reperdu ses couleurs, mais ça a l'air d'aller. Pour l'instant en tout cas. On va regarder la tenue en premier, comme ça ce sera fait. Alors on va mettre le. C'est vrai que maintenant c'est pratique. On va mettre le jour pour pouvoir voir correctement la tenue. Ça c'est quand même un vrai plaisir par contre. Ah ouais. Alors. Donc la tenue. Alors on va peut-être pas se mettre comme ça d'ailleurs. Oh putain, l'autre tenue elle est vraiment horrible. On va. Hop. Moi j'ai mis la tenue de l'année dernière qu'on pouvait acheter, que je trouve jolie. À part la selle que j'avais pas achetée, parce qu'en gros, la selle, pardon, c'est celle-là. Avec juste les petites. Les petits. Comment on appelle ça là? Enfin, les piqûres avec, en arc-en-ciel. C'est bon, on va pas acheter une selle pour ça. Bref, j'ai pas tout remis, parce que voilà, mais bon. Alors du coup, pour le cheval, on a un tapis. Alors, non. Voilà, merci. Donc un tapis comme ça sur le style western, donc avec une matelassure noire, et on peut voir que ça fait de l'arc-en-ciel, voilà, du bas vers le milieu. Qu'il y a une marguerite, enfin une espèce de marguerite de chaque côté, et qu'il y en a une au niveau du garrot également, avec une découpe un peu chelou d'ailleurs. Et que ça fait des petites piqûres noires partout, rouge pardon. Alors les pâquerettes sur le côté d'accord, mais sur le garrot déjà je suis un peu moins sûre. Alors ça fait très girly, hein, mais bon bref. Et c'est pourquoi la texture elle est dégueulasse comme ça, putain, mais je veux dire, je suis désolée, mais on va faire un petit close-up un petit peu, voilà. Donc là vous voyez la selle, hein. La selle qui est quand même franchement détaillée, quoi. Même la bride et tout, enfin ça va, quoi, c'est quand même relativement détaillé. Pourquoi le tapis il est dégueulasse comme ça, putain, mais pourquoi c'est moche comme ça? Je veux dire, au bout d'un an, c'est insupportable. Une fois sur deux, les équipements, ils sont pixelisés à la mort. Regardez, si on regarde la selle, on regarde l'étrier, on regarde tout, c'est quand même nettement moins dégueulasse, putain. Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est pas la première fois qu'on a des équipements dégueux, hein, quand ils sortent, c'est insupportable. On a des guêtres qui sont blanches avec le scratch qui est arc-en-ciel. Bon, d'accord, ok, cool. Alors ça par contre c'est ce qui m'intéresse, donc on a un licol en corde qui est assez joli. Alors les rênes sont noires et grises, mais du coup au niveau de la tête du cheval, donc c'est gris foncé et par endroits du coup il y a des petites couleurs. Il y a un peu de bleu, il y a un peu toutes les couleurs en haut, et pas mal, enfin il y a quelques couleurs là sur ce qui descend, on va dire, de l'oreille au chanfrein, et puis après sur le chanfrein on a beaucoup beaucoup de couleurs. Elle est très, enfin il est très joli je trouve, j'aime beaucoup parce que même si l'arc-en-ciel enfin c'est bien réparti, donc je le trouve très très joli pour le coup. Puis il est full stats, donc je pense l'acheter parce qu'il est vraiment joli celui-là. Dommage qu'il aille pas sur beaucoup de chevaux, mais bon. Et la selle, alors la selle par contre elle est jolie, et la selle elle est pas dégueulasse, donc bon. Alors, enfin, elle est pas dégueulasse, mais par contre, elle manque gravement de nuances. Il y a beaucoup de plages de couleurs unies, donc c'est un peu dommage. Mais sinon, elle est jolie, elle est noire, blanche et rouge. Alors, il y a quelques coutures arc-en-ciel, par exemple, sur la partie du milieu, là, ou sur la sangle qui est complètement arc-en-ciel. Mais sinon, globalement, elle est pas moche. D'ailleurs, c'est un peu dommage, parce qu'en fait, elle aurait été super belle si elle avait juste été blanche, noire et rouge. Là, je trouve les parties arc-en-ciel, bon, bah, c'est un peu dommage, mais. Elle reste jolie. On a une petite sacoche, encore avec des marguerites, mais oh là là. Oh, la sacoche, ça passe, mais les marguerites, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Putain, en plus, ces marguerites, elles sont même pas belles. On dirait vraiment un vieux PNG de marguerites qui sont allés payer sur Internet, là, je sais pas. Mais. Bref. Alors, pour le personnage, ils ont eu la super idée de nous faire une barbe avec des fleurs. Vous ne comprenez pas pourquoi, s'il vous plaît.
Genre, je comprends pas où est, quel est le concept. Mais bon. Après, les fleurs sont un peu moins dégueu ici, mais bref. Et d'ailleurs, il y en a même au niveau de la moustache. Bon, bref, ok. On a des lunettes vertes. Ouais, ok. Putain, 6000. Putain, what the fuck. On a une casquette donc qui est blanche, rouge et un peu noire avec un arc-en-ciel dessus, d'accord. Putain, les prix, par contre, bon, on n'en parle pas, mais c'est comme d'hab, quoi. Même si il y a un effort à un moment donné. On a des baskets montantes avec les lacets arc-en-ciel. Des mitaines noires et blanches avec un petit arc-en-ciel. Un pantalon complètement arc-en-ciel. Avec une ceinture avec une espèce de marguerite encore au milieu. Et on a un haut, donc noir, blanc et rouge. En fait, c'est dommage, c'est qu'ils auraient fait un équipement noir, blanc, rouge comme ça. Il aurait été super beau. Je sais pas pourquoi ils sont venus acheter de l'arc-en-ciel au milieu, parce que ça rend vraiment bizarre. Parce que sinon, il aurait été vraiment super beau. Donc, on a des petites marguerites sur les poches. Et à l'arrière, on a un giga arc-en-ciel qui est vraiment chelou pour le coup. Enfin, ils l'ont en miroir, quoi. Du coup, bon, admettons, ok. Ça va, mais j'aurais préféré un truc grand noir, blanc, rouge, ça aurait été vraiment très joli. Bon, bah voilà, hein, du coup, ça c'est fait. Merde, non. Ok, alors Mika là, qu'est-ce qui arrive encore? C'est bon de te revoir, Madison, tu vas pas croire à ce que j'ai à te dire. Il est beau comme la qualité qui est Palomino. Hein. Ça ira plus vite si tu y vas par toi-même, hein, suis-moi. C'est vrai qu'il est quand même vachement beau. Hein. Putain. Il donne envie. Hein. Mais il est sur l'application de mort là, putain. Comme tu peux le voir, certaines couleurs ont à nouveau disparu, mais cette fois ça ne touche que les arcs-en-ciel. Ah ouais. Waouh. C'est pas ce qu'il y avait sur l'image, hein. Mais bref. D'accord. Je me demande ce qui s'est passé. Regardez, si on regarde là, je suis désolée, ça touche pas. Voilà. Ah mais non, mais c'est l'image de la semaine dernière. Ça n'a aucun putain de sens. Bref, on s'en fout. Alors, tu n'as pas une idée. Je pensais vraiment qu'on avait réglé le problème définitivement. Soit on n'a pas mis assez de couleurs dans le royaume, soit quelque chose les aspire. Je me demande si Katia est encore dans le coin. Qu'est-ce qu'elle en sait, Katia, elle? Pendant la même chose, je crois. Ouais, on sent la même chose. Je ne veux pas dire que c'est forcément de sa faute, mais je ne crois pas qu'on puisse ignorer la possibilité. Est-ce que tu veux bien ouvrir l'œil pour moi, Madison? Fais attention si tu la vois. Le plus important, c'est que nous devons réparer les arcs-en-ciel. La situation est claire, préparons-nous à la prochaine étape. Eh bien, ça marchait une fois, tu ne crois pas, ça marchera encore, les fragments d'arc-en-ciel. Ce que j'allais suggérer, les grands esprits se rencontrent, tu es sûr qu'on ne veut pas embaucher un peintre? Ouais, s'il te plaît, ça me saoule, j'ai pas envie. Il nous faut 7 fragments d'arc-en-ciel cette fois. Putain, non, attends, c'est une blague. Hein. On connaît la chanson, Rodin? C'est une blague! Eh non, mais ça, par contre, c'est vraiment des connards. Hein. Je suis désolée de le dire comme ça, parce que bon, j'avoue que je suis un peu salée là. Mais recycler le truc de la semaine dernière en mode, bah vous allez faire exactement la même chose! Ouah, c'est trop marrant, putain, Star, mais qu'est-ce qu'on s'amuse! Refaire exactement la même chose! Putain, trop drôle. Je kiffe. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de quêtes, mais bref. Un retour de la musique et de la neige. Il se passe quelque chose de bizarre, j'ai envie qu'il neige en plein milieu de l'été, des gens racontent. En fait, c'est exactement les mêmes dialogues, ils se sont même pas fait chier à en faire des nouveaux. Putain, mais c'est Ah, je suis tandis motivée lorsque tu as lu mes derniers carnets, que j'en ai écrit d'autres. Souviens de ta lecture. La tête des nuages. Elle a reperdu son équipement. Trop bien. Il est tombé dans Jorvik pendant que je volais. Oh mais putain mais quelle chance! Elle a reperdu mais cette fois, eh ben faudra chercher dans Jorvik. Waouh, trop cool. Hein. C'est pas comme si la map elle faisait 40 fois la taille du Royaume des Nuages. Ah mais non, ça va être réparti juste autour, j'imagine, non? Bon alors du coup, qu'est-ce que. Attends, mais qu'est-ce qu'ils sont fun Star, je veux dire, nous faire refaire une deuxième fois la même chose. Putain, mais qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est trop fun. Incroyable. Vraiment, c'est le giga kiff là. On va refaire ça, on a compris. Bah, du coup, c'est con parce que je fais avec un cheval qui n'a pas besoin, quoi. Bon, on s'en fout de toute façon. C'est pas comme si. Hein. Wow. Bon, de toute façon, je suis sûr que c'est la même chose que d'habitude.
sûr qu'on a déjà lu. Du coup, les arcs-en-ciel ont bien perdu leur couleur à nouveau, d'accord. Tout cool. C'est marrant, ouais. Alors que les arcs-en-ciel qui sont gris comme ça. Du coup là... Ah merde. Attendez, est-ce qu'il y a des trucs là aussi? On va aller chercher là-bas. Donc là, en fait, faut juste bah, tout refaire. Et d'ailleurs, oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais les nuages, la façon dont ils sont faits, ça fait que par endroits, du coup, ça découpe dans les textures qui sont derrière, et du coup, ça les rend invisibles. Genre, ils peuvent pas vérifier que le rendu fasse pas les trucs chelous. C'est comme là, si vous vous mettez là. Regardez, c'est très marrant parce que... Alors, je sais pas, ça le faisait l'autre jour. Ah, ça dépend peut-être de l'équipement que vous avez, j'imagine, je sais pas. Mais du coup, je voyais que la tête de mon personnage. C'est très bizarre. Mais là, par exemple, vous voyez, l'arc-en-ciel n'apparaît pas. Je veux dire, enfin, ça, même nous, regardez, on peut le voir en 5 secondes. Genre, au bout d'un an, faites un effort, putain. Bref, hein, vu qu'on a déjà tout fait, tout ça la semaine dernière, je vais pas vous l'infliger à nouveau, surtout que vous devez le faire tous les jours. Donc, je vais le faire de mon côté, et ben, je vous retrouve une fois qu'on a tout fait, ou en tout cas qu'on va voir Katia, parce qu'il y aura peut-être une petite différence vers Katia, j'espère, parce que sinon, c'est pas très drôle. Ok, du coup, j'ai trouvé un fragment d'arc-en-ciel. Alors, ce qui est bizarre, par contre, c'est que, en fait, le fragment, enfin, c'est bien fait, par contre. C'est bien fait, mais c'est chelou. Oula, par contre, qu'est-ce qui se passe avec l'arc-en-ciel? Mais regardez, mais putain, mais ça, c'est pareil! Regardez l'arc-en-ciel, on le voit pas du dessous. Je veux dire, putain, mais Star, ça se voit en 3 secondes! J'ai même pas cherché à trouver des problèmes que j'en trouve en 3 secondes. Genre, c'est quand même incroyable. Bref, du coup, c'est quand même bien foutu que le truc nous suive, comme ça on est sûr de le ramasser. Du coup, on a trouvé un fragment d'arc-en-ciel. Et par contre, ça rapporte tellement d'XP au cheval. Par contre, je crois que j'allais changer de cheval, parce que ça me ferait vraiment, enfin, ça me ferait, pardon, vraiment chier de perdre autant d'XP en vrai. Je vais aller chercher un cheval, hein, parce que sinon, c'est un peu la misère en fait de perdre autant. Est-ce que je peux y aller d'ailleurs avec ça, parce que j'espère que ça va me foutre en l'air la météo pour la quête avec Katia, sinon je suis un peu déçu quand même. Ok, ça a l'air d'aller. Bon, je change de cheval et je reviens tout de suite. Ok, alors déjà, ici on peut voir qu'il y a un des équipements de Mika. Bon, j'imagine qu'ils vont être autour. Ils vont être autour de la montgolfière, ils vont pas être super loin. Bon, moi, c'est l'avantage. Alors là, on peut voir aussi que la météo. Alors bon, ça, je sais pas trop ce qui se passe, mais on s'en fout. La météo, elle est bien revenue, donc ça, c'est bien. Alors oui, alors ce cheval vous le connaissez pas, mais je vous l'ai dit hein, que j'achèterai. J'ai prévu de faire une vidéo pour ça, j'ai pas encore eu le temps, mais ça va arriver, vous en faites pas. Mais du coup bon, c'est pas vraiment une surprise puisque je vous l'avais dit quoi. Donc voilà, mais pour ceux qui étaient pas sûrs du coup que je l'avais acheté ou pas, ben voilà, c'est fait. C'est juste que je sais pas encore. Bah oui, mais non, mais... Laisse-moi... Donc, ouais. Alors, on va bien voir si on va avoir un petit fragment, là, qui va arriver. Alors, elle a 7 équipements. Ce qui me fait un peu peur, c'est que là, on en a vu que 2. J'espère qu'ils sont pas trop trop loin, parce que j'ai pas envie de me balader. Bon, après, vu que c'est normalement une mission qui est... Enfin, vu que c'est fait pour les stars et les non-stars, j'imagine que c'est vraiment autour... Autour de la zone ici, hein, parce que sinon c'est insupportable. D'ailleurs, pourquoi... Ah, attendez. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai un truc ici? J'en sais rien. Bon, on va ramener ça déjà. Allez. Là, j'imagine qu'on va avoir un petit fragment. Voilà. Un fragment à apporter à Mika. Et ben, vous savez quoi? On va faire Katia tout de suite. Parce que quitte à être là, t'en profiter. Alors, j'imagine qu'il faut encore suivre les notes de musique comme la dernière fois. Est-ce qu'il faut vraiment aller dessus ou pas? Ok, j'ai trouvé une note. Putain, mais c'est vraiment exactement la même chose, mais. Et franchement, j'espère vraiment que là ça vaut le coup parce que vu qu'ils sont vraiment pas fait chier, ils ont juste fait du copier-coller là pour l'instant. J'espère au moins que là ça va être bien parce que sinon ça va pas le faire. Oui.
Donc, je veux la note. Est-ce que je m'approche? Ah oui. Et oui. Waouh, attention, alors là on va pas au phare, on va sur la plage. Alors. D'accord, on a tout un ordinateur, tout un setup qui est posé là et tout. Alors déjà, pourquoi est-ce que les enceintes sont toutes les deux pointées de ce côté-là? Ça n'a aucun putain de sens. Genre, il y a un bureau et tout. C'est comme... Alors, je suis désolée, mais mettre un ordi portable avec un autre écran, c'est vraiment bizarre, hein, bref. Mais c'est complètement con, t'as une unité centrale, machin et tout, bref. Oh là là. Bon, bref, je veux parler... Tu as trouvé la source de la musique. Ouvrir la playlist. Arrête musique infernale. Katia en boucle. Oh, il est mignon. Il est trop beau! Elle passe en boucle sa chanson Dark Rider pour détraquer la météo. Pas bête, hein, mais du coup, je n'ai qu'à choisir notre chanson dans la playlist. Gloomhaven de The Miscreant, Hollowood de Nomi, In the Heart of Everyone de Lisa Person. Non, mais c'est sérieux là? Ben, Gloomhaven, évidemment. Wouah, mais putain, mais c'est dégueulasse! Je suis désolée, mais qu'est-ce que c'est que ce visuel là? Pourquoi est-ce que c'est. C'est aussi pixelisé dégueu là. En 2008, on aurait eu un truc comme ça, j'aurais rien dit. Mais là, putain, on est en 2022. Pourquoi est-ce que le truc était aussi moche? Je veux dire, vous avez. Tiens, le design, quoi, merde! Par contre, il est vraiment trop beau, hein. Putain, what the fuck. Il n'y a pas vraiment l'ambiance dont j'ai besoin. Ah, mais je suis obligée. Ah non, je voulais mettre la musique de Lisa, mais c'est une blague. Je veux pas, hein. Je refuse. Pourquoi c'est aussi dégueu, quoi, putain. Ils veulent me forcer à mettre la musique de Lisa, hein. C'est abusé, hein. Pourquoi dans la playlist de Katia, il y a ces chansons-là déjà? Parfait. Tu as ramené le beau temps d'été. Et un fragment. D'accord, bah trop bien. Non mais je me doute qu'il y aura un autre morceau, hein. C'est pas. Il y aura un autre morceau à la quête, c'est pas fini, d'accord? C'est une fois qu'on aura rapporté toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, Mika, elle va nous dire, ah ouais, Katia, elle est venue, tout ça, hein? C'est ça la quête. J'espère. La longue vue de Mika. Bon, je vais continuer à chercher ces merdes et une fois que j'ai tout, je reviens vers vous parce que sinon on en a pour 5000 ans et ça va juste être chiant. Pas intéressant. Surtout que moi, ce qui me saoule, c'est qu'on a. Enfin, peut-être que quand on lui parle, elle nous le dit, mais on n'a pas eu de zone précise. Enfin. Prévu que c'est une mission qui est censée être pour les non-stars, j'imagine que ça se limite quand même à Morland et tout ça, mais bon, bref. Bon, je cherche tout ça et je reviens vers vous une fois que j'ai tout ce qu'il faut. Ah, par contre, je suis désolée, je viens de passer là-bas, il y a une musique, je suis désolée, elle est vraiment horrible. Bon, alors, je pense que. Voilà, c'est le dernier, c'est ce que je me disais. Alors, on a eu le bruit du fragment de d'arc-en-ciel, mais il n'est pas paru. Ouais, d'accord. Bon, ben, ok. J'imagine qu'il apparaît quand on retourne au royaume et qu'on voit qu'on a tout, j'espère. Ouais, du coup, il y a un truc que je voulais vous dire aussi, parce que bah, vu que j'y pense maintenant, autant que je dise non avant d'oublier. Au cas où vous ne soyez toujours pas au courant, même si moi je l'ai déjà dit sur Discord. Pardon. Et que d'autres gens l'ont dit aussi, je préfère le redire, on sait jamais pour ceux qui sont passés à côté. Les seuls cadeaux vraiment intéressants qu'il y a dans le. The fuck? Dans les échanges avec Sean, enfin quand je dis intéressant, vous comprenez ce que je veux dire par là,
Il y a du coup l'espèce de chapka, je crois que c'est ça que ça s'appelle, avec arc-en-ciel, et il y a le chien. Et c'est tout, il n'y a pas de tenue en fait. C'est la première fois depuis que Shaun existe qu'il n'y a pas de tenue. Genre, c'est. Vraiment, mais ils en ont plus rien à foutre, quoi. C'est abusé, genre. Bref. Ok, Mika. Mais qu'est-ce qui. Pourquoi est-ce qu'on est dans le sol, là, déjà? Ça commence mal. Ouais, mais j'ai pas eu le fragment, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi j'ai une quête qui est dans le nuage? What the fuck? Pourquoi j'ai pas eu le fragment? Bon, bah, on va lui parler déjà avec ce qu'on a pour voir si ça débloque quelque chose. Perdu à retrouver. Ah oui, voilà, on va lui reparler quoi. Je savais que je pouvais te faire confiance. Et du coup, elle me donne un fragment. C'est bien ce que je me disais, ouais. Ok, le fragment de Mika. Donc, on en est à. On est à 4. Quel enfer. Bon, je continue et je vous reviens une fois que j'ai tout. Je me dépêche. Et maintenant, les arcs-en-ciel, ils sont. Ils sont même plus gris, ils sont une espèce de bleu chelou. What the fuck? Bref, c'est une autre histoire. Oh bah nice! Regardez-moi ça. C'est mais c'est de pire en pire cette histoire. Mais je peux continuer quand même? Hein? Oula! Alors déjà, j'ai jamais eu de ma vie un message d'erreur serveur comme ça sur Star. Enfin, j'en ai eu d'autres, mais pas de cette type, de ce type-là. Donc déjà, what the fuck? Et puis, pourquoi est-ce que je peux quand même continuer? Enfin, c'est normal que je puisse continuer ou pas? On va continuer, hein, je sais pas, mais. Après, c'est vrai que ce qui était bizarre, c'est que contrairement à la semaine dernière, sur le. Quand j'ai commencé la course, il n'y avait pas mon nom, je sais pas si. Voilà, mais. Bon. Écoutez, on va continuer, hein, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner quand même, donc au pire. Hein. Dans le doute. D'ailleurs, je pense que la musique est légèrement différente de la semaine dernière. Très bien. C'est cool. Mais ouais. D'ailleurs, je trouve toujours ça marrant que dans cette course. Alors, déjà, l'arc-en-ciel, il est mis de façon très bizarre là. Mais en dehors de ça, qu'on ait les couleurs dans la course alors qu'on les a. Enfin, bref. C'est peut-être un malencontreux oubli. Hein, comme. Et encore, là, je peux comprendre parce qu'il pourrait te dire oui, mais bon, dans la course, il faut encore remodifier, machin. Bon, ok, pourquoi pas. Mais Star, c'est quand que vous enlevez Anne de Pandoria, en fait? Parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu abusé, quand même. C'est juste une suggestion, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est pas très raccord. Et voilà, mais vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. Pas de soucis, quoi. Nickel, bon, du coup. Ouais, un nouveau fragment. Trop bien. Trop heureuse. Bah, du coup, il nous en manque encore, non? Si je dis pas de conneries. Pourquoi est-ce que. Il y en a. Ok, on s'en fout. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il nous en manque encore un petit peu, non? Je pense, je pense. Pourquoi j'en ai un? Qu'est-ce que c'est que ça? Un, c'est bon. Du coup, j'en suis à, pardon. J'en suis à, bah, 5. Il manque toujours, normalement, non? Tu aimes les livres. Hein. Mais j'ai déjà lu ce que t'as écrit, Mika. Hein. Ok, non, mais j'ai déjà lu tes bouquins, Mika, là. Je peux pas en lire plus. Bon, je vais chercher son dernier livre et puis on verra bien ce qui se passe après. Mais pourtant, il me semblait qu'on avait tout lu. Voilà, il y en a qui traîne quelque part et que j'ai pas vu. Ok, bon, du coup, on va aller voir Mika, on va voir ce qu'elle nous dit. Et puis, au pire, s'il manque un truc, et ben on y retournera. Alors, qu'est-ce qu'elle nous voulait, Mika, là? Alors. Ah, bah si, bah voilà, le carnet, je me disais bien. Qu'est-ce que tu en as pensé? On s'en fout.
Cette petite œuf, c'était mon pote Pico, trop bien. Donc j'ai un dernier fragment, nickel. Alors Mika, j'ai trouvé un fragment, c'est le jaune. Très bien. C'est long, putain. J'ai trouvé un fragment, c'est le vert. Putain, mais c'est long. Hop. Le bleu. Par contre, le truc d'heure, ça a pas l'air de fonctionner des masses. Bon, le bleu, voilà, mais ça a pas l'air de fonctionner des masses parce qu'à chaque fois, ça change tellement, tellement vite. Faut tout le temps le remettre, c'est un peu chiant. Mais bon, c'est toujours mieux que de pas l'avoir. Hein. Le rouge. Faut toujours pas de bleu, hein. Ok. On a indigo, non violet. Ensuite indigo du coup. Ok. Et indigo. Voilà, merci. Il nous manque le septième fragment. Je pense qu'on a cherché partout. Tu as une idée, Madison? Au manoir, à la ferme, au forge, c'est le plus près. J'ai pensé à ça. Je leur ai passé un coup de fil pendant que tu étais à Jorvik. Ils ont fouillé la zone, mais rien n'a été trouvé. Là voilà, la nièce la plus courageuse du monde. Tiens, on dirait que vous venez de voir un druide. Pourquoi faites-vous cette tête là? Oncle Nick, tu m'as fait peur. C'est bon de te revoir. Qu'est-ce qui t'amène jusque dans les nuages depuis la vallée du Dino? Eh bien Mika, je profitais de mes voyages lorsque je suis tombée sur quelque chose de très intéressant. Je n'avais jamais vu de parler avant. Cette découverte m'a rappelé toutes les aventures merveilleuses qu'on a eues ensemble et j'aurais vraiment aimé qu'on le retrouve ensemble. Je me suis dit que la meilleure chose à faire du coup c'était de l'apporter. Tu vois sur quel point tu aimes les arcs-en-ciel? Cette pierre, eh bien regarde. Le septième fragment. Par contre les fragments sont jolis. Oh, tu as déjà fait cette découverte. Oui, par la lueur d'Éden, on a tellement de choses à te raconter, à te montrer. Et là, on rend le bleu encore. On rend deux fois le bleu, d'accord. Pourquoi pas. Cette expérience a associé archéologie et magie, tu ne trouves pas, oncle Nick? Alors, je suis pas sûre, mais d'accord. Et on va avoir à nouveau un bonnet comme ça. C'est le même que l'autre, sauf que il est noir. Ils sont pas trop fait chier, hein. Mais bon. Ok. Ce qui est chiant, c'est que maintenant, ils donnent beaucoup d'XP pour le cheval dans les quêtes. Sauf que quand on fait une quête, on veut pas de l'XP pour le cheval, on veut de l'XP pour le personnage, en fait. Je sais pas pourquoi ils sont aussi radins sur l'XP pour le personnage. Il n'y en a jamais. C'est chiant. Quel est le but de mettre des niveaux si vous ne donnez jamais d'XP? Genre, c'est complètement débile. Vous avez dû découvrir des objets qui ressemblent un peu aux pierres runiques des druides. Qu'on analyse ensemble et même utiliser ces objets magiques. Pour réparer le royaume des nuages. Très bonne observation, Mika. Est-ce que vous avez déjà une théorie sur la raison pour laquelle c'est arrivé? Je vous creuserai la tête personnellement. Madison a trouvé une fille fantomatique en train de jouer du violon à Jorvik sans se cacher. Quand elle est partie, elle a laissé un enregistrement de sa musique. Elle s'appelle Katia. C'est sûr qu'elle a lancé un sort sur la météo, mais pour les couleurs disparues du royaume des nuages, nous n'avons pas de preuves de son implication. Katia, dis-tu, ce nom me dit quelque chose? Mais non, c'est impossible. À moins que, qui qu'elle soit, on dirait que son arrivée et la disparition des couleurs du royaume des nuages coïncident. Ça ne veut pas dire que c'est intentionnel de sa part. Qu'est-ce que tu en penses? Katia a dit qu'elle arrive toujours à la catastrophe. Qu'elle aille, désolée, qu'elle le veuille ou non. Katia dit que les gens racontent qu'elle est maudite. Je peux pas imaginer ce que ça fait. Putain, mais c'est de la merde, les deux, putain.
Une malédiction du froid, et ça ne fait pas penser à la sorcière des glaces d'Icewendel. Est-ce que Katia a été maudite par elle? Est-ce que c'est elle, la sorcière des glaces? Oh bah tiens, ça reparle d'Icewendel, alors que Icewendel s'est sorti à quand? C'est sorti en 2014? Donc Icewendel s'est sorti il y a 8 ans. Il y a 8 ans, on n'a jamais eu une seule quête qu'en parle, et là ils s'en sont rappelés, ils se sont dit « Ah putain, c'est vrai qu'Icewendel ça existe !» Du coup on va en reparler vite fait dans une quête de merde, et après on n'en reparlera plus jamais, comme ça on pourra dire qu'on en a parlé au moins une deuxième fois, putain. Cette vieille légende, c'est effectivement intéressant, laissez-moi réfléchir. La légende raconte que la sorcière des glaces est née au Moyen-Âge et qu'elle a longtemps pratiqué la magie blanche, jusqu'à ce qu'un jour, pour une raison mystérieuse, elle se mette en colère et laisse le piège de la magie noire se refermer sur elle. C'est ce qu'on raconte. Cependant, je me demande si, comme avec de nombreuses légendes, son histoire était celle d'une seule personne ou d'un groupe de femmes fortes dont on a fusionné les vies. Est-ce qu'elles sont isolées... pardon, est-ce qu'elle s'est isolée du monde ou est-ce qu'elle était emprisonnée par ceux qui avaient peur d'elle? Je me souviens d'avoir entendu parler d'une expédition à Icewendel à la fin du 19e siècle, visée à chercher des preuves de l'existence de cette mythique sorcière des glaces, mais aucun membre n'en est jamais revenu. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas, oncle Nick? Il faut que je sois la prochaine... que c'est notre prochaine aventure, pardon. La prochaine fois que je mettrai pied à terre, on partira pour Icewendel. Oui, bah alors ça, c'est ce qu'ils disent, mais ça, je sens la couille. Hein, parce qu'ils nous disent, oui, la prochaine fois, on ira à Icewendel. Bon, on va jamais y aller, hein, parce qu'à chaque fois, ils nous utilisent des trucs comme ça, et il se passe jamais rien. Hein. Je veux dire, le château de Golden, ça fait bientôt 3 ans qu'ils nous ont dit, ouais, le château, regardez, on a fait une refonte, oh là là, on va bientôt y aller. Et bien, au final, 3 ans après, on n'y est toujours pas. Donc moi, au bout d'un moment, j'en ai marre de croire à tout ça, parce que je sais que ça mènera jamais à rien. Et puis de toute façon, même s'ils sortent à Icewendel, ce sera de la merde, parce que vu ce qu'est le royaume des nuages et vu ce qu'est les derniers trucs, excusez-moi, mais je n'ai aucune, mais aucune, once d'espoir. Faut réfléchir avant, Mika, pour l'instant, célébrons votre réussite à Madison et à toi dans le royaume des nuages. Tout est bien qui finit bien, du moins on l'espère. Ah mais c'est tout! Eh ben, yes! Eh ben, c'était trop bien. Qu'est-ce que je me suis amusée. Ouh là là, on sent l'excitation dans ma voix. Ben voilà, ben, j'ai rien d'autre à dire, parce que ben, de toute façon, y a rien d'autre à montrer. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je vous dise? Bon ben du coup j'espère que cette présentation de mise à jour vous aura plu. Voilà. Du coup j'essaierai de sortir la vidéo concernant les chevaux à la fin de semaine. J'espère quel jour exactement, on verra bien. Et voilà. Bref, sur ce, bah, écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne soirée, un bon appétit, etc. Tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. C'était Madison. Bye bye tout le monde.